Et oui les enfants, toujours s'équiper d'une âme pour chasser les monstres. Bien, c'est le moment de savoir qui se cache derrière cette tenue. Elle a bougé ! De retour pour Halloween avec cette soirée de Scooby-Doo. Je sais qu'est-ce qu'il vous faut. Il faut bien sûr le meilleur comédien du monde qui rigole, qui est prêt à rigoler, qui aime bien les Scooby Snacks. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici Wokette. Bonsoir. Vraiment, sur 10 frames pour le montage, je vais devoir garder ça. Là, il est en train de siroter quelque chose, je pense. Du sang. Donc du coup, on a décidé d'aller au Western. On va avoir besoin d'aide pour résoudre cette énigme. Et tu ne veux pas taper ton nom avant de commencer ? Putain, je voudrais bien taper mon nom, mais... Ah, j'ai peur que des gens m'ajoutent sur Facebook, là. T'appelles Spooko Geek. Ouais, méga, géant, super, génial, en route. Oh, Bob Lennon, tu te calmes ? Inquiétant. Effrayant. Étonnant. Genre, maintenant, c'est un peu plus royal, tu sais. C'est vraiment étonnant ce que vous faites ce soir. On met quoi ? Allez, effrayant. Bon déjà je vais réveiller le corbeau. Ça je connais ça. Si tu tapes corbeau MP3 tu peux trouver sur YouTube. Si je peux me permettre, Los Burritos c'est un peu raciste hein. Ouais. Mais c'est... bon j'allais rien dire hein. Los Tequilas, Los Faritas. Los Salsa. Oh, des traces de pas. Bon on va dans le saloon hein, de toute ouais. façon Ouais de toute façon je pense que ça va être ça hein. Allons, donnons lui un coup de main. Tu sais, c'est le mec qui se passe le nez, mais aussi il cache sa bouche, il fait « Ah, c'est bon, devant, je suis en Et pourquoi il dit « Ouvrez la porte » Il est sur une chaise. Merci. À présent, trouvez les clés pour me libérer. Elles sont dans cette pièce. C'est pas le truc rouge sur la table. Ah, j'ai envie de dire, ouais. Ah, attends, j'essaie de la bien viser. Ah non, c'est des cartes. Oh ah bah, et on n'est pas des intellectuels un peu, là. Clique sur le piano, je suis sûr ça va faire de la musique. On dirait un ancien piano mécanique. Je me demande s'il fonctionne. Non. Mais regarde. Elle était là. Mais tu viens de nous spoil. Non mais regarde. Tu vois, là c'est des gens qui ont dessiné. Ça c'est un truc sur Paint où tu mets un remplissage direct. J'y peux rien. Tu fais un tour de taureau mécanique. Pourquoi il a eu un cheveu sur la langue à te faire un tour. Genre c'est n'importe quoi. Il m'a fait faire un accent problématique là. Bah à mon avis il faut qu'on trouve une fille. Ils ont mis deux clés au même endroit. Ma phrase de connard que j'avais dit tout à l'heure, mais regarde, c'est sur Paint, c'est facile à deviner. Celui-là, il était pas sur Paint. Artifact, professeur d'archéologie. Mes étudiants m'aident à fouiller cette vieille ville fantôme. Je travaillais dans le saloon, quelqu'un est arrivé derrière moi et m'a ligoté. Vous savez, Los Burritos était célèbre pour ses hors-la-loi. Los Burritos. À présent, mes étudiants sont convaincus que leur fantôme hante cette ville. Opacité augmentée. Oh, je vois tellement dire. Moi, je suis tombé sur des gamins fous une heure. Suspect et indice. Honte de l'au-delà. Il s'appelle Artifact, j'ai pété un plomb. Si vraiment c'est Artifact, vraiment le mec il s'est fait capturer, il a fait oui, on m'a capturé, oui, on m'a capturé. C'est sûr, c'est lui. Pourquoi il y a une tarte sur le tabouret ? Il est midi. Scooby est mort. Avec la souris. Oh, attends. Oh, un V1 le. Ah oui, d'accord. Bien vu. C'est bon, je l'ai eu. Vas-y, spam le. Non, j'allais l'avoir. J'ai gagné les Scooby. Oh putain, j'ai gagné 11. Ouais. C'est quoi, c'est à chaque fois que tu l'as touché, le monstre? Ouais, c'est ça. Bon, go fermer les Scooby Snacks, hein. Le mec, il veut juste que je le tarte la gueule. Allez, noscope-le. Oh, si. Non, putain. Attends, je gagne des pièces même si je vise les autres. Je sais pas, mais tu leur mets ce qu'ils méritent. Hein. Dégagez. Oh la Daphné V1 s'est mis à la tête qu'il a fait, il est en mode... Oh, pourquoi à chaque fois on dirait qu'ils sont en train de se finir. Attends, non, refais-le-moi. Non, vas-y. T'es sûr c'est pas pour faire encore, là. Est-ce que des crocs Scooby vous décideraient? J'espère que tu en as quatre. Oh, j'en ai bien plus que quatre, hein. Oh, une pièce de théâtre. Oh, il y a des leviers sur lesquels tirer, à mon avis, hein. Oh, quel est ce bruit? De la vient de dessous la scène. Oh, et c'est quoi ces indices? On a déjà deux indices sur cinq, là. On a fini le jeu, en fait. Bah après, il faut trouver les personnes dans la ville, donc. Je te demande quoi? Je peux une bande faire, mec. Les jeux Scooby-Doo de cette année. Hey, Scooby, quoi?
Coupé, recoupé. Une grande quantité d'or a été volée ici il y a très longtemps. Les voleurs ont-ils été arrêtés? Non. 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 Bien joué, Scooby-Doo. Scooby-Doo. J'ai cassé la machine. Oh, le shérif. Si vous êtes détective, vous devez être de bons observateurs. Tu peux le dire. Nous n'avons pas vu le moindre stand de hot dog. Alors déjà, on propose des burritos. Vous faites pas chier, tu sais. Oh, putain. Quel bâtiment se trouve à côté du bazar? Paolo Pizza? Paolo Pizza, c'est tellement raciste. Le bazar, c'est-à-dire le bazar RG, c'est... Il y a à côté, il y avait quelque chose. La banque, je crois. La banque, c'est avec le saloon. Donc clairement, c'est la gare de chemin de fer. Tu as raison. Ah oui. Big service. J'applaudis le grand choix énorme que quand par exemple il y a trop de place, ils sont obligés de rajouter un petit rectangle qui dépasse. Le gars il met un petit post-it au bout de sa fiche. Apportez-moi un objet qui indique la population de la ville. Quoi? Il a dit quoi là? Il faut apporter un objet pour savoir le nombre de population. Voilà, c'est ça. Ah d'accord. Genre, il a fait genre, allez, prends-le. Cette carte vient de la bibliothèque de l'université. Ouh, il est dans un truc d'université avec des élèves, etc. À tout moment, c'est peut-être lui, hein. Je dis ça, je dis rien. C'est lui, j'arrive pas à voir sa gueule. Ça m'a l'air vraiment un objet fait pour ça. Allez, pompe. Ah. Ah, ça coule de source. Vas-y, pompe. Hein? Ah mais frère, il a toujours des phrases classiques entre les criquets et vas-y pompe. Pompe fort là, comment ça? Eh bien dans le live au moment où ça parle de sexe, mais bon. Bientôt on va nous lâcher Fred boulot. On va un peu me rendre. Oh les jeunes, avez-vous mes dents? Comment? Mes dents. Il veut ses chicots. Eh mais moi j'ai pas de chicots, moi j'ai un marteau, bon on peut casser les dents hein. Il a pompé, c'est pour ça. Comment ça? J'ai l'impression que c'est resté sur le pompage ici. Ah putain, c'était dur hein. Ok les amis, dégageons cette horloge. Bah d'accord, la porte, avec les clous, on fait rien. Par contre, l'horloge, on la pète la gueule. Et qu'est-ce que je vais en faire, ça? Bravo, on a une montre, mais trop grande. Ah bah, il y avait le coffre-fort dans la banque. Pixela et règle-la sur 1h14. Oh! Mais oui, il y a vraiment la place pour une horloge, j'ai pété un plomb. La clé doit ouvrir une de ses mailles. Non, il ouvre celui de droite 100%, regarde, il y a un détourage, là. Oh mince. Oh mince. Oh mince. Tu vas devoir pomper, Vic. Un horrible dentier. Beurre. Il sera facile de trouver son propriétaire. Il y avait quand même les tremblotes, tu sais. Ah, c'est vraiment le chien. Oh, c'est dégueulasse, il l'avait dans la bouche. Merci pour les dents. Ah, la voix qui change d'un coup, ça fait marrer. Mes dents. Bonjour, je suis Clark Kent. C'est la liste des élèves du professeur. Je crois que j'ai trouvé le coupable. Ah, je suis de mon monstre, je vais te jouer. Wow, attends, le train en 3D. Oh, what the fuck. Oh, c'est qui ça? C'est qui le rouquin là? Je veux pas juger, mais le service Scooby-Doo c'est du 2D quoi. Wow, trop d'informations là. Ça a dû faire chauffer 2-3 PC là. Où sommes-nous? Sur mon site de fouille. Mais... Oh, t'es mal front, dirais-moi carrément. Bah c'est toi Vic dans le jeu. Tu changes juste la couleur des cheveux et c'est bon hein. Je dois recoller les morceaux de cette poterie. Pouvez-vous m'aider? Mais bas les pattes, vous êtes dégoûtant. Hein? Cliquez sur les morceaux et placez-les de manière à former une image. Le truc très drôle c'est que tu vois, il nous a insulté, il a fait. Allez, on collait quand même, on sait jamais. Sache que j'ai absolument pas interagi, mais je comptais sur toi pour le fait de pas avoir 8 ans, donc... Suspect et indice. Tiens, est-ce que ça serait pas le shérif? Putain, en vrai, c'est bien serré parce que... Attends, celle-là? Celle-là. Mais quelle est celle-là? Sur les livres, est-ce qu'il y en a pas un qui aime bien les livres, tu sais? Oh! J'ai peut-être un peu surréagi, mais... Oh, le code! Oh! Putain, on réagit comme si vraiment on a l'info du siècle. Décidons-nous! Il est derrière nous! Va ranch! Ouh, le fer à cheval! Ouh, le retour! Oh, c'est le jeu américain là! Eh, Misiki, appelle Bibi! Regarde, qu'est-ce que c'est un vrai professionnel! Bam! Du premier coup! Oh, mais c'est Gotaga le type ou quoi là? Oh, le bouffon, il s'est pas lancé. J'ai l'impression de plus être connecté, mais on est vraiment en train d'avoir un cheval là? Ouais, clairement. Ok, non, pardon. Bah, il est nul à chier! Ah, là, c'est bon. Là, je l'ai. Good! C'est donc ça l'avenir du gaming? Ça c'est une conférence Xbox, je l'achète Day One hein. On en parle si Hugo stream que avec des gens avec les pseudos commençant par W. Je vais m'appeler Oui le bot. Peut-être que c'est ça la prophétie hein. Peut-être qu'il faut s'appeler Oui hein. J'ai un souci, qu'est-ce qu'il y a Bibi? Enfin Oui je veux dire. Oui le bot. Oui le bot pendant 2 mois. Nouveau stream de Oui le bot. Oh, j'ai trouvé quelque chose. Ces trucs là c'est des briques, mais c'est peint et c'est de l'or.
Mais ça serait pas des lingots, l'équipe ? Essaye de retourner sur le train. Sauf que plutôt que choisir le truc vers le haut, tu choisis la mine. Peut-être que ça t'emmène pas au même endroit. Hein. Ah ouais, mais c'est ça le truc, c'est que... Je sais pas si c'est un bait. Je te laisse aller prendre à droite, je fais une petite vidange, je reviens. Ah bah putain. En tout cas, c'est qu'une cinématique hein, pour l'instant, donc... Oh ! Bah, il avait raison, le salaud. Je vous propose une petite blague avant qu'il revienne. On fait croire que en prenant le train, ça n'a rien servi et j'ai dû revenir au bazar. Et il y avait une interaction pour que ça fonctionne. Voilà, la blague de l'année. Hein. Mais voilà. Comment ils vont les gens en W là? Les winners, comme on appelle. Et ça faisait quelque chose ou pas d'aller vers la. Ah oui, oh là, oh la 3D, what the fuck? Là, il y a combien de chemins? Deux? On peut soit aller vers le bas. Bah, en bas, je l'ai fait si tu veux, mais voilà, il s'est rien passé. En gros, t'avais faux quoi. T'es nul en gros. Bah, c'est pas très sympa. Bah, vous êtes pas cool en fait. Tu veux savoir la blague la plus drôle? Je suis allé au bazar et j'ai trouvé de l'huile. On pouvait rentrer dedans? J'ai cliqué sur les plaques et celle qui était coincée, j'ai pu réussir à l'ouvrir. D'accord. Allez, graisse-moi ça un petit peu, là. Bah... Ouvre, Nicole. Oh, bah il a pas l'anglais, là. Sinon, il faut que je te dise une vérité, mon petit Vic. Dis-moi. L'huile, en fait, j'ai trouvé avec le train. Tu vois le passage où il y avait les deux chemins avec la mine? Justement, le chemin qui était en bas, il y avait l'huile. Et du coup, j'ai demandé à Misiki Bibi de dire « On fait croire à Vic qu'il avait faux. » Ça fait une demi-heure, je lui dis d'aller là, je pète mon crâne. Non mais je vois ce que vous voulez dire hein, en fait. Mon gros intellect a fait que j'ai réussi à résoudre une énigme d'un jeu de 8 ans quoi. Pourquoi Miziki elle s'appelle Wiziki sur Discord, j'ai pété un plomb. Bah parce que ils ont suivi le délire hein. Le gang des W hein, c'est bon hein, on a notre team CSGO. À quand vu Go Geek? À quand vu Zevorto? Wink et where acide? Where acide? Genre where is l'acide? Bah, c'est qu'on a vite tendance à vite partir sur un accent qui peut nous porter préjudice par la suite. Il y a Wiwi qui fait de la propagande pour Max Verstappen dans MP. J'aime ça. Oax Verstappen. Ou Ellis ou Hamilton. J'ai envie de le dire avec des accents. Mais moi aussi, c'est ça le problème. C'est que la blague peut être drôle, mais si Twitch n'apprécie pas ça, c'est surtout ça quoi. Westero 94. C'est sa version, mais Cowboy, c'est Westero. Bon bah, il change tout, et je vais le dire. Il va recevoir des MP en mode change ton pseudo tout de suite, sinon je te soulève. Le what? Ça, c'est horrible à le dire parce qu'en fait, c'est vraiment tu messages avec l'accent quoi. L'accent peut vite partir, donc c'est ça le problème. À quand le WIP? À quand le. Le oui, ouais. C'est impossible à dire sans un accent qui peut paraître un peu créole slash raciste, donc c'est ça le problème. Le rouille RP, mais avec que l'accent raciste et avec que des W dans les prénoms. Clippé. Wocket le raciste, mais t'es un plomb. C'est qui le fautif? Est-ce que c'est la personne qui demande à quelqu'un de tuer quelqu'un ou c'est la personne qui le tue, tu vois? Ça fait réfléchir. Ah, ça fait réfléchir. Ah bah tiens, il y a marqué presque Henry. Ça veut dire que c'est Henry Stickman, on va déterrer mon projet là. Oh oui. Le problème, c'est que tu peux pas le dire. Henri. Worry. Don't worry. Wocket le raciste. Supprime-moi ça. Hey, cela doit être une partie de l'or dérobée par le gang des maçons. Le gang des maçons? Attends, mais y a un truc que j'ai pas suivi là. Le gang des maçons. Bon travail. Le souci, c'est que les livres, etc., je sais pas qui ça peut obtenir. Mais la carte, c'est une carte de quoi? Cette carte vient de la bibliothèque de l'université. Elle signale un passage par le tunnel. Bon, ça c'est ou artifact. Tu veux dire plutôt ou artifact. Bah, de toute façon, la carte et la classe d'archéologie, c'est pour Ouattibule. C'est la liste des élèves du professeur. Tous les noms sont barrés, à l'exception d'un seul. Y a pas de juif. Attends. Julien, évidemment, Julien il est là, je pense savoir un truc. Alors voilà. Vic. Ouais. Tu veux savoir un gros cerveau que je suis? Vas-y, dis-moi ton big brain. Classe d'archéologique. Tu diras tout simplement, oui, c'est artefact, on sait, mais regarde. Il y a marqué Julien. Et le seul Julien qu'il y a, c'est le Julien du milieu. Je pense clairement c'est Julien. Je comprends mieux pourquoi c'est effrayant, parce qu'il faut bien analyser les prénoms. Vu qu'il y a la carte qui vient de l'université, et Julien il doit peut-être venir des étudiants, voilà, je pense que c'est lui. Retirons-lui sa cagoule. Il est temps de voir un fantôme. Professeur Fact. À tout moment, c'est peut-être lui. Je dis ça, je dis rien. C'est sûr, c'est lui. C'est lui, j'arrive pas à voir sa gueule. Mais quel connard! Tous les noms de vos élèves étaient barrés. Vous les faisiez fuir
un par un. Et vous avez certainement utilisé mille et une évasions pour vous enchaîner. Attends, mais on était censé se rappeler qu'il s'était fait enchaîner il y a 6h30 de gameplay, là. De toute façon, au final, on l'a arrêté, c'est le plus important. Bah oui, mais j'ai le seum que ça passe Julien, quoi. Julien, c'est le seul qui n'est pas barré. Donc là, vous avez perdu un jeu 8 ans. Eh oh, mais c'est qui? Enfin, oui, c'est qui? Mon plan était parfait. Et il aurait marché si vous ne vous en étiez pas mêlés, bande de petits fouineurs. Ah, oh, fouineurs. De winner. Je m'en fous, hein, mais j'étais vraiment plus intelligent. Un sérieux Scooby-Doo, c'est sûr, c'était forcément le professeur. Mais moi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, le seul qui est pas barré, c'est Julien. Bon, on m'explique quand même la logique. Bibi qui fait ouin ouin, mais bon, Bibi va faire. Moi, je dirais que c'est la meuf, hein, parce que bon, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais. Hugo, il y a qui à Paris? Bah, il y a. Niveau. Ah non, c'est vrai qu'on peut pas le dire, c'est vrai, lui. Le Y est Jay-Z. Ok, ok. Bibi qui s'est piégé. Il m'a eu avec le Wu IRP. Alors ouais, c'était rigolo. Retrouvez-nous l'année prochaine. Ouais, et peut-être avec Max, Inspecteur Dubois, Sérieux KO ou compagnie. Avec Wubi, Wubidou. J'ai hâte, et moi. Ouais. Vous, je vous parle plus. Vous avez créé des embrouilles avec des W partout, là. Bande de wassistes. Ah putain.